Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing fin de saison F1. Un peu tardif, on a eu des emmerdes de chacun de notre côté, mais au moins on le fait. Bonsoir Romain, vu que je t'ai pas encore dit bonsoir. Bonjour. Bonjour. Hein. Alors, on commence par où hein par le champion, ce serait bien. Tu vas faire par pilote encore aussi. Ouais, bah. On a fait ça pour le WRC, pour le RC, on va faire ça pour la F1. Donc, sinon, pour revenir, ouais, on a eu quelques soucis qui ont fait qu'on n'a pas pu faire ce débriefing avant. On a suivi à peu près, je pense, toute la fin de saison. Enfin, on a suivi tous les deux la fin de saison, comme on a suivi à peu près toute la saison. Je pense que j'ai loupé quelques grands prix. Les grands prix qui étaient tôt le matin, je les ai pas vus. C'est-à-dire tous les grands ports en Asie, principalement. Les Australiens, on l'a pas vu non plus. Ouais, l'Australie. Quel grand prix j'ai pas vu aussi. C'était le Mexique, j'ai pas vu la fin, parce que je me suis endormi. Donc en tout cas, on va pouvoir quand même débriefer cette saison pilote par pilote. Saison qui aura pas été quand même la plus passionnante. Non. Faut le dire. Même si bon, on aura eu deux, trois moments. Citation entre guillemets. Pour rappeler ce qui s'était quand même passé au début de saison, pour rappeler un peu ce qui avait changé. Caterham n'était plus là, on a eu Marussia qui a été racheté par Manor, Manor qui est arrivé un peu sur les genoux, hein, ils n'étaient pas présents en Australie. Fernando Alonso a été blessé lors du début de saison, ce qui fait que Kevin Magnussen l'a remplacé en Australie. Et aussi Valtteri Bottas qui n'avait pas participé au premier Grand Prix de la saison. C'est tout. C'est à peu près tout. Hormis que au premier Grand Prix, on a fini 11 voitures, mais sinon. Ouais, au premier Grand Prix, on a terminé 11 voitures, et aussi, donc le passage de McLaren de Mercedes à Honda, ainsi que également en termes de pilote, l'arrivée d'Alexander Rossi à partir de, enfin, chez Manor sur quelques Grands Prix de fin de saison. Globalement, c'est à peu près tout ce qui a changé. On va pas revenir sur les transferts. On y reviendra en fonction quand on parlera des pilotes. Arrivé cette saison. Ouais. Voilà. Sinon, je pense qu'on va pas énormément évoquer non plus 2016, parce que je pense qu'on fera un briefing de début de saison. Peut-être pas. Bon, pourquoi? J'ai toujours mon truc dans ma haute. Ouais, bon. Dans ta haute, lol, Noël, tout ça débarque. Bon, bref. Ta gueule, je veux de la magie de Noël, merde. On commence par. Par Hamilton. Par Hamilton, donc, tout seigneur, tout honneur. Lewis Hamilton qui donc s'est imposé, a décroché son titre au Grand Prix des États-Unis. Donc de troisième titre après 2008, 2013 et 2014. Après 2008 et 2014. Quoi en dire, hormis que cette année il a été, clairement supérieur à Rosberg sur une bonne partie de la saison. Bah, 10 victoires. Ouais, 10 victoires, donc ça calme, clairement. Un seul abandon. Qui était au... Singapour. Dans Singapour. Ouais, donc malgré une mauvaise performance, une mauvaise performance en Hongrie et un abandon en Singapour, domination Hamilton cette saison, il n'y aura pas eu de discussion, clairement, pour qu'il soit titré carrément déjà aux États-Unis. Même si sur la fin de saison... Bah, il a gagné son titre, après il a fait que des deuxièmes places. Donc. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, on a vu un Hamilton très, très performant toute la saison, avec une voiture toujours aussi efficace, la Mercedes. Mais, je serais tenté de dire quand même que Hamilton, je suis pas sûr que ça dure tant que ça. Et si Ferrari arrive à aligner ce qu'on attend l'année prochaine, c'est-à-dire une voiture très concurrente, je pense que, très compétitive, je pense que ça va bien se battre. Parce que les pilotes Ferrari, en particulier Vettel, peut aller largement, je pense, chercher un titre face à Hamilton. Enfin, on verra bien, en tout cas, ça, discutera plus en avant la saison prochaine. Chose à rajouter sur Hamilton? Non. Ouais, finalement, en fait, c'est tellement parfait qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Bon, hormis qu'il nous a fait quelques petites joies dans les magazines People ces derniers mois, entre sa
dans ces petites fêtes à Monaco où ça termine mal et toutes ces histoires de couple dont tout le monde se fout. Parce qu'on est là pour causer sport mécanique, on est là pour causer F1, on n'est pas là pour causer people. Enfin bref. Donc, deuxième. Rosberg. Nico Rosberg. Il nous a fait rire, il m'a fait rire Rosberg. Il m'a fait beaucoup rire durant cette saison. Il y a eu deux trois trucs qui étaient assez drôles en interview. Notamment, je sais plus quand c'était. Quand il avait sorti un truc par rapport à Hamilton, qu'il avait dit ouais l'autre devant là il est plus rapide, enfin mon coéquipier, mon cher coéquipier pardon. ça m'a bien fait marrer. Comme aussi évidemment alors le chambrage entre allemands en conférence de presse qui est absolument fabuleux et qui est totalement fandard, c'est génial à voir. Enfin bref, donc Nico Rosberg qui n'aura pas été forcément bon joueur sur certaines épreuves, il aurait eu pas mal de pression aussi. On se souvient de son erreur aux États-Unis qui fait que Hamilton décroche le titre. Mais il s'en est quand même très bien sorti durant cette saison, hein, même si bon, c'est vrai qu'il a été quand même inférieur à Hamilton à beaucoup de points, même si c'est vrai que la fin de saison a prouvé un petit peu l'inverse avec ses trois victoires. À Abu Dhabi, au Mexique et au Brésil. C'est ça. Je dis pas de conneries. Ouais, donc il a quand même prouvé qu'il était encore là, qu'il peut jouer des bonnes places, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour lui, ça a été un peu difficile cette saison, mais on verra bien l'année prochaine. Peut-être que la voiture lui conviendra mieux. On sait pas, hein, c'est toujours ce genre de choses. Bon. En tout cas, c'est vrai qu'il aurait quand même été bien en dessous cette saison. Et qu'il l'aura ressenti clairement, hein, qu'il savait qu'il était. Ça l'a clairement énervé de se sentir second pilote, sentir deuxième pilote. Hein, de toute façon, il n'y a qu'à revoir l'arrivée du Grand Prix des États-Unis. Ensuite. 6 victoires, hein, quand même pour Rosberg. Ouais, 6 victoires, donc ça va. Ouais. Et après, donc on passe à notre énergumène. Au maître, c'est... Au clown, je suis désolé, comment on appelle ça? Au cancre. Ce mec est un cancre. Non, 3 victoires. Ouais, 3 victoires pour Sébastien Vettel. Qui aura fait déjà clairement une meilleure saison que sa dernière saison Red Bull. Ouais. Il aura été remotivé, clairement. Il a remotivé Ferrari, il s'est remotivé à la victoire. Il a fait une très bonne saison. Déjà, j'avais l'espoir, hein, qu'on ait une bataille Ferrari-Mercedes quand je l'ai vu gagner en Malaisie. Malheureusement, ça s'est pas vraiment confirmé. On l'a vu également gagner en Hongrie et à Singapour. Oui. Qui ont été quand même des très bons grands prix. Notamment la Hongrie, hein, qui est restée comme un des meilleurs grands prix de la saison. Et donc ouais, il aura fait également une bonne saison, toujours à se batailler. C'est vrai que c'est quelqu'un qui en plus était très détendu cette année. Il était clairement, j'ai l'impression, moins sous pression que l'an dernier. Et là c'était, il a retrouvé son rôle de numéro 1 dans une équipe, en plus comme Ferrari. Donc évidemment, il est très, il est remotivé, il est reboosté. Je pense que ça peut donner de bonnes choses. Faudra voir la voiture qu'il aura l'année prochaine. Faudra voir comment elle va se comporter la Ferrari. Ouais. On l'annonce au niveau des Mercedes, c'est ce qu'on attend depuis maintenant 2 ans. Donc faudra voir en tout cas. En tout cas, ça s'annonce bien pour Vettel et j'espère qu'il va toujours continuer à nous faire rire durant que ce soit les conférences de presse ou les interviews ou n'importe quoi, parce que ce gars est génial. Non, sans déconner, maintenant c'est. En plus, il est très sympa. Il a encore en fait son. Il a l'esprit du mec humain. Il est pas. C'est pas le. C'est pas Jean-Michel Langue de Bois, j'ai envie de dire. Mais enfin bon. Donc ensuite, le quatrième. Votre vie. Ah, d'accord. Ouais, non, parce que j'étais pas sûr, en fait, depuis qu'il s'est... Parce que sa fin de saison, c'était pas terrible. Donc c'est Kimi. Je dis pas de conneries. Kimi Raikkonen, qui donc aura quand même fait une fin de saison assez moyenne. Alors, mis c'était quatrième qui termine à Abu Dhabi. Ou troisième, je sais pas. Troisième. Il termine troisième à Abu Dhabi, mais sinon on se souviendra surtout de ses embrouilles avec Bottas en fin de saison. Ou de son tête à queue à Montréal. C'est vrai qu'il a pas été. Il a pas été non plus à la hauteur cette saison, mais je pense que de toute façon,
C'est un peu triste à dire parce que je l'aime beaucoup, mais Raikkonen n'est plus vraiment adapté au comportement des voitures de maintenant et je suis pas sûr qu'il arrive un jour à remonter. Il n'arrivera pas, à mon avis, à remonter au niveau où il était. Ça va être très compliqué de suivre malgré la voiture qu'il a, la Ferrari. En même temps, qui mettre à sa place, c'est vrai que c'est une grande question aussi. On parlait de Verstappen. Lol. Non, c'est clairement non. C'est pas possible de. Je pense pas que Max Verstappen soit encore assez conscient de ce qu'il fait en piste. J'emploie des mots, mais je dis assez conscient de ce qu'il fait en piste pour pouvoir être dans une écurie comme celle-là. Et de toute façon, je pense que avec Vettel, ça passerait moyen. Donc, pour l'instant, Kimi est confirmé l'année prochaine. Faudra voir où il va se situer. En tout cas, c'était pas non plus si mauvais que ça, mais c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure saison, clairement. Ouais, quand même. Ouais. Bottas. Bottas, c'était pas mal. Je me sens d'un podium au Canada. C'est ça, hein? Oui. Podium au Canada. Il a fait d'autres podiums, non? Je sais plus. Un seul au Mexique, après. Ouais, au Mexique. T'es sûr? Oui, au Mexique. Ouais. Ouais, donc en tout cas, ça aurait été encore une bonne saison pour lui. Moins bonne que l'an dernier, hein. Je crois que l'an dernier, il a fait plus de podiums que ça. Ouais. Mais en tout cas, bah, ça aurait été quand même une bonne saison pour lui, même si c'est vrai que les Williams, c'était quand même un peu en déclin. On les a vus quand même. Ils se sont montrés, c'était à Silverstone. On a vu un très bon départ. On a vu les deux Williams filer en tête. C'était fabuleux. Mais par contre, c'est vrai que ça s'est contenté un peu de rester derrière et ça a fait un peu son Force India, je dirais. C'est-à-dire, Force India, c'est un peu ça aussi. Ça se montre un petit peu, mais pour autant, c'est derrière. Donc, il faudra voir également. Ils vont fournir des. Je crois qu'ils ont prévu de fournir le châssis de Manor aussi l'année prochaine. Donc, en tout cas, ils vont avoir aussi pas mal de boulot. Durant l'hiver pour améliorer la voiture, je crois que les deux pilotes sont confirmés, ça y a pas de problème. Ouais. Ouais, les deux pilotes sont confirmés, ça roule toujours bien. Ouais, c'est Bottas, il va falloir qu'il se montre encore un petit peu, parce que c'est vrai que l'an dernier, en fin de saison, on montrait aux portes de Ferrari. Là, de toute façon, tous les ans, le pilote qui marche, le jeune qui marche, on parle toujours qu'il va finir chez Ferrari. 2013-2014, on a parlé d'Hülkenberg. 2014-2015, on a parlé de Bottas. 2015-2016, on parle de Verstappen. Donc, tous les ans, dès qu'il y a un jeune qui commence à se faire remarquer, on parle qu'il va finir chez Ferrari, parce que chez Ferrari, de toute façon, on sait que Kimi va pas faire long feu non plus. Donc, non pas que je souhaite sa mort, hein, bien sûr, mais en tout cas, faudra voir. Je dis beaucoup en tout cas, je crois. Ouais. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui, je suis un peu crevé. Ensuite. Ma Felipe. Ah, c'est Massa encore derrière, d'accord. Ouais, donc c'est un peu moins bon. Massa, j'ai pas été hyper emballé cette année. J'ai pas vu grand-chose. Je sais même pas s'il a fait des podiums. Deux. Tu peux me rappeler? Italie. Oui, si, ouais, son podium Et en Italie, ouais. Autriche. L'Autriche. Ouais, bah en tout cas, j'en ai marre. J'en ai marre avec moi, en tout cas. Il aura fait une bonne saison, enfin une bonne saison moyenne. Comme je dis, j'ai pas été emballé, même s'il a fait son rôle de. C'est triste à dire qu'il fasse son rôle de deuxième pilote Williams, parce que c'est quand même un pilote très bon pilote. Le souci, c'est qu'il a toujours été le deuxième pilote de service et qu'il est un peu en train de le rester. De toute façon, lui, ça va être comme Kimi, hein, ça va pas rester non plus encore 4-5 ans. Je pense que dans 2-3 ans, il va commencer à penser à la retraite. C'est un peu les derniers de la génération parce que finalement il reste, enfin si, il reste Button aussi, parce que les Weber c'est parti, Barrichello c'est parti déjà depuis un bail, Schumacher aussi bien sûr. Ensuite, après Massa, Force India peut-être, non? Perez, non? Non, Daniel. Denis Kvyat, oh, putain. Surpris par Kvyat, il nous a fait du bon comme il a pu nous faire du très mauvais. Je me souviens de sa sortie tout seul à Austin et je me souviens de son erreur aux essais au Japon qui nous a fait très peur. Mais il nous a fait une bonne saison quand même. La Red Bull Renault en fin de saison a prouvé qu'elle roulait bien. Et notamment justement à Austin où ils étaient bien bien classés. Mais toujours, il y a pas eu. Ça n'a pas été non plus fabuleux. Podium en Hongrie, je crois. Non? Ouais. Podium en Hongrie, ouais, et ailleurs, peut-être? Non.
Ok, podium de qui attend uniquement. Même à Singapour, je me sens que c'était une baston Ferrari Red Bull, les Mercedes avaient plus de mal. Et faut espérer que ça continue bien, parce que même si on a pu le critiquer à une époque, là quand même il a su s'intégrer dans l'équipe et faudra voir pour l'année prochaine, Red Bull toujours en discussion avec Renault, mais clairement maintenant c'est fait, hein, ce sera des moteurs Renault, alors Red Bull, même si on les appellera comme on veut, on les appellera Tag Heuer comme c'est prévu, ou Renault, on s'en fout, c'est des moteurs Renault, que c'est pas les couilles. Ensuite. Ricardo. Ricardo, bah en fait ouais c'est les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Williams, les deux Red Bull. Et les deux Force India derrière. Ouais. Donc c'est là qu'on voit aussi qu'au niveau des balances de performance entre guillemets c'est très ça se suit. Donc Ricardo, déçu de Ricardo par rapport à ce qu'il nous a fait l'année dernière. Ouais, après c'est pas la même machine non plus. Non, ça n'a pas été la même voiture, mais clairement, même comparé à Kiat, il n'a pas été. Il n'a pas été fabuleux, même si c'est vrai qu'il a réussi à faire des bonnes performances. Podium ou pas? Quelques podiums, je crois. Ou deux. Un, deux, trois. Un, deux. Deux podiums. Où? Précisément. Hongrie et Singapour. Ouais, donc il a quand même fait deux podiums, même si c'est vrai que c'est pas au niveau de ses trois victoires l'année dernière. Ouais. Mais bon. En tout cas, il va essayer. Je pense qu'il va continuer à persévérer, j'espère vraiment que les. Le problème, c'est qu'il va avoir. Je pense qu'il a un peu de mal à assumer son rôle de pilote numéro 1 de l'équipe. Là, clairement, ça se voit. Déjà, il était derrière Kiat au championnat. Et faudra donc espérer l'année prochaine enfin, de meilleurs résultats. C'est de meilleurs résultats et peut-être de nouveau des victoires, mais faudra vraiment voir où se situe Red Bull. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, parce que c'est vrai qu'en même temps, s'ils sont moteur Renault, certes, mais du coup, Renault aura aussi son équipe, il aura donc s'en occuper peut-être plus que Red Bull. Faudra voir. À voir. Ensuite, Pérez. Pérez, alors lui, déjà, il a eu son moment de gloire parce qu'il a eu son Grand Prix, hein, clairement. Là, c'était lui ou rien à Mexico. Mais sinon, je me souviens d'un podium à Bahreïn, mais c'était l'an dernier, ça, non? Ouais. Ouais, podium à Sochi. Ouais. Voilà. Et ailleurs, non? Non. D'accord. Ouais, podium à Sochi, donc il s'en était bien sorti, je me souviens, suite notamment à l'accrochage entre Raikkonen et Bottas. En tout cas, les Force India cette année n'auront pas été mauvaises, même si ça, je sais pas si c'est pas, je pense pas que ça soit leur meilleure saison. Si. Ah bon? Ouais. Je pensais clairement que l'an dernier ou l'année d'avant on était meilleur, mais bon. Ouais, non, je m'attendais pas à ça. Bon, en tout cas, j'en ai marre avec moi, en tout cas, toujours. Mais en tout cas, tu arrêtes. Bon, t'as qu'à parler plus aussi, moi je sais pas quoi dire. Je voudrais bien, hein, mais tu blablates, moi je ferme ma gueule, tu vas. À part ça, il avait rien à dire, hein, C'est toi justement. Ah le spécialiste F1, c'est pas moi là-bas. ouais, non mais moi, je te laisse, hein, t'es parti, hein. Tiens, avant le débrief, moi ouais, j'ai rien à dire, je te préviens, hein, moi je suis juste là pour contrôler les travaux finis. Oui. Donc on en était. Tu en étais, parce que moi, je dors. D'accord. Salut. Hein. On en était à Pérez, donc la Force India qui a quand même donc, apparemment bien tourné. Je pensais pas, alors qu'ils ont eu des grosses galères financières au début de saison. Ah, mais c'est plus la Grande-Bretagne où ils ont eu la Force India B. Ouais. Ouais, donc ça s'est amélioré petit à petit et je pense qu'ils seront là encore l'année prochaine. Après, on parlait d'Aston Martin. Perso, j'y crois pas du tout, cette histoire. Mais bon, sinon, de toute façon, les deux pilotes aussi ont été confirmés, je suppose. Ouais. Ouais, bon, ça va rester bien. Je m'attendais par contre à avoir quand même Hülkenberg devant, c'est vrai que. Mais bon. Ah, Hülkenberg, 6 points en Australie, puis ensuite 4 points à Montréal, 8, 6, 6, 8, voilà. C'est vrai qu'il aurait été reboosté par sa victoire au Mans.
En tout cas, dans sa ligne de stats, ça se voit pas. Durant le Grand Prix d'Autriche, si, il a fait son meilleur résultat en Autriche, non? Il a marqué 8 points en Autriche, mais il en a marqué 8 aussi au Japon, et 8 aussi au Brésil. Ouais, donc clairement, bon, même si ça aura pas été mauvais, on peut pas critiquer sa victoire au Mans cette année, mais c'est vrai que c'est pas le Hülkenberg qu'on a connu il y a peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, où il se montrait quand même un petit peu plus. Là, c'est vrai que c'était un peu discret. Ouais. Du coup, on a parlé du Hülkenberg en 10e, on va passer au 11e, Romain Grosjean. Ah bah Grosjean, lui, s'est battu. Hein. Lui s'est battu avec une voiture en galère, il s'est battu avec le budget, il s'est battu avec tout le monde. Finalement, ça a payé avec un podium à Spa. Troisième place à Spa, c'était quand même pas mal. Et bon, suite à la crevaison de Vettel. Mais voilà, lui aussi, il a su se battre. Clairement, il a su se battre cette saison et ça fait plaisir pour notre Frenchie qui l'année prochaine rejoindra les rangs de chez As. Et j'ai confiance en l'année prochaine. C'est vrai que Lotus en plus a jamais été facilité parce que c'est vrai que les mécanos ont été pas mal sollicités par la deuxième voiture, hein, de notre casseur préféré. Donc voilà. Ils n'ont pas grand chose d'autre à dire sur Grosjean. Bonne saison globale avec le matériel qu'il avait, clairement. En espérant qu'il rebondisse l'an prochain. Malgré son crash à Sochi. Son gros crash à Sochi. Ensuite. Verstappen. Ah. Là, je vais te laisser en parler. Ah, mais je suis plus occupé, moi. Bon, alors, Max Verstappen, beaucoup d'éloges, beaucoup de critiques. Ça aurait été vraiment le phénomène de cette saison. C'est-à-dire je me souviens rarement d'avoir parlé autant d'un nouveau. Parce que du coup, il a complètement éclipsé Nasser et Sainz. Ouais. Mais en tout cas, il s'en sera quand même bien sorti parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu des choses un peu chaudes au début de saison. Ça a été un peu compliqué pour lui de s'intégrer. Et aussi, je pense juste le seul problème de ce mec qui est quand même un peu gênant, c'est qu'on le voit déjà loin. Seul souci. Il est quand même un chouïa encore inconscient de ce qu'il fait sur la piste. Parce que je crois qu'honnêtement, ses beaux gestes, c'est-à-dire son dépassement sur la Sauber à Spa, ainsi que son dépassement sur Maldonado, je me souviens, à Monaco. Ok, c'était beau, c'était bien, mais je suis pas sûr que c'était... Enfin, ça peut très bien passer, comme ça passe, comme c'est passé à Spa, comme ça ne peut pas passer comme sur Grosjean à Monaco. Le souci, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment cette notion des risques, en fait. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'il se met limite en danger. Donc, il fait quand même des actions un peu compliquées. C'est vrai que c'est des fois un peu limite. Mais en tout cas, tant que ça paye, ça va. Mais le problème, c'est qu'un jour, il sera peut-être... Là, c'est le genou. Il est content d'être là, c'est le jeune, mais le jour où il commencera à être sous la pression d'un titre, sous la pression d'une position, sous la pression d'être pilote numéro 1 de l'écurie, d'une grosse écurie ou ce genre de choses, je suis pas sûr qu'il réagira pareil, et je pense qu'il fera plus de conneries qu'il risque de devenir un Maldonado de service. Donc, J'espère, ouais, bah, attends, je vais pas lui souhaiter le malheur non plus à Verstappen. Oui. Donc en gros, c'est ce que je pouvais dire sur Verstappen. Ce que je pouvais dire sur Verstappen. Ensuite. Oh, je prends ensuite. Proposition. Ensuite. T'as vu, quand je te parlais, tu me coupes la parole. Oui, pour Verstappen, je te coupe la parole. Ouais, bah ta gueule. Bon, vas-y, la suite. 13-14, on va les englober, vu qu'ils ont fait exactement le même nombre de points. 27 points, c'est Maldonado et Nasser. Tu peux pas englober Maldonado et Nasser. Non, mais si, parce que t'as la thèse et l'antithèse. Ouais, Nasser, il est pas mal non plus. Hein. Hey. Ouais, c'est vrai que c'est le seul mec où... à Shanghai. Nasser, la ligne droite, 1,9 km, je sais plus comment elle fait exactement la ligne droite. 1,9 km, on chauffe ses pneus, DRS ouvert. T'es sûr que c'était pas au Canada? Fou, il a fait ça partout. Enfin, je me souviens du Canada, moi, je crois. Enfin, qu'il avait chauffé ses pneus avec le DRS ouvert. C'est vrai que ça, c'était assez fabuleux. Mais sinon, alors, Nasser, j'avoue... c'est comme Tanak en WRC.
hormis ce truc-là, aucun souvenir. Non, mais tu te souviens de quelque chose de Felipe Nasser, toi, cette saison? Je me souviens de son premier Grand Prix où il a fait une cinquième place. Oui, les Sauber, c'est vrai que les Sauber, on a eu l'espoir en début de saison. On a eu l'espoir. Ah ouais. D'ailleurs, c'est peut-être pas un peu ouais, c'est son meilleur résultat. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vrai qu'on a eu l'espoir en Australie et on s'est rendu compte vite que ça allait être derrière. Ça allait être vite derrière et bon, même si c'est pas mal, hein, c'est pas Manor, c'est pas McLaren, mais c'est encore assez discret. Je me souviens d'une époque où ils arrivaient quand même à titiller les Force India. Là, c'est quand même bien derrière maintenant. Ouais. En tout cas, c'était quand même pas trop mal pour Nasser. Pour Ericsson, c'était un peu plus compliqué, je crois. Mais on verra bien. Donc à Felipe Nasser, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'est qui le prochain? C'est mon rookie préféré, c'est Carlos. Ah oui, Carlos Sainz. Le premier espagnol aussi. Putain. son gros problème à lui, c'est qu'il s'est quand même bien foiré sur... Enfin, son gros problème, c'est pas du coup un problème, mais il s'est quand même sacrément bien foiré en Russie, qu'on a eu très peur. Mais donc ça va, après bon, il s'en est sorti finalement, il a fait le Grand Prix, enfin, il a fait le Grand Prix, il était quasiment dans le top 10, il a quasiment fait sa meilleure perf, jusqu'à ce que finalement, ça passe pas. Je sais plus suite à quoi, c'était suite problème mécanique. Bah comme d'hab, Nasser, c'était le mec le plus malchanceux niveau méca cette année. Non, Sainz. Sainz. Ah bon, à ce point-là? Ouais. Il a eu tant que ça d'abandon mécanique? Oh. Est-ce que tu peux me les citer? Ce que je te demande en fait. Bah je les ai pas devant moi les abandons mécaniques. Je vois même pas si c'est s'il a terminé ou s'il a abandonné. Ah d'accord. J'ai juste les points, tu vois. Oui. Bon, enfin bref. Non, mais enfin, j'ai même pas de souvenir s'il s'est planté dans un Grand Prix. Tous les abandons. Regarde, Brésil. Brésil. Oui. C'est pas. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il avait. Bon, donc ouais, effectivement, on sait. C'est ton rôle qui préfère plus par affection ou par haine envers Verstappen ou hein? Verstappen, je le supporte pas. Nasser, j'avais des espoirs, mais pas très. Et Sainz, j'aime bien ce mec, parce que j'avais vu une de ses courses en 2014, en 3.5 à l'époque. Mmh. Et il m'avait impressionné. J'aimais beaucoup le style du pilote. Et là, de le voir en F1, ça me déplaît pas, je l'aime bien. Oui. J'aime bien. Ensuite. Alors, 16e avec 16 points, Jenson Button. Ah, on commence à aborder le sujet McLaren Honda. Faut qu'on en parle ou... Ah, non, mais ce qui est bien, c'est qu'il est devant Alonso. En même temps, Alonso, il s'en fout un peu de son boulot, là, clairement. C'est Alonso, il a marqué 1 point en Hongrie et 10 points... non, je le raconte. 1 point en Grande-Bretagne et 10 points en Hongrie. Mm-hmm. Donc ça lui fait 11 au total. Et Button, il en a marqué 4 à Monaco, 2 en Hongrie... 2 également en Russie, ouais, et 8 aux États-Unis. T'as vu, fait ça. Ouais, ouais. En tout cas, Button aura été plus efficace clairement qu'Alonso, ça c'est sûr, et aussi, je vais pas dire plus sérieux dans le boulot, mais. Si. Ouais, un peu plus sérieux. C'est vrai qu'il se sera battu, il se sera quand même un peu plus battu, je pense que Alonso qui a vite lâché, enfin qui lâche assez vite quand il voit que ça passe pas. Mais bon, je pense quand même que il y aurait plus de soucis mécaniques pour Alonso que pour Button. Bon, après, ça faudra vérifier, il me semble. Ensuite on aborde le 18e et le dernier dans les points, Marcus Ericsson. Pas grand chose à dire, je me souviens de son TTK en Malaisie. Ouais, qui était drôle. Qui vient déclencher la safety car en foutant deux roues dans le gravelard, mais c'était fabuleux. Non, sinon c'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu. Avec un meilleur résultat en Australie.
J'ai limite l'impression qu'on l'a plus vu l'époque chez Caterham. Ouais, c'est pas fou, ouais. Mais ouais, ça aurait été discret. C'est vrai que ça aurait été discret, mais bon, de toute façon, c'est un pilote payant, donc voilà. Et j'ai pas. Ouais, non, on n'a pas grand chose à dire dessus, parce que finalement. Hormis qu'il a rien à branler là. Ah, il a rien à foutre là, mais Monisha, faut bien qu'elle paye l'écurie, quoi. Faut qu'elle paye les mécanos, tu vois. Avant de partir en tôle. Oh non, ça c'est fini, ça Vendée regarde, il a trouvé un arrangement. Mais Aïe, putain de ta mère. d'accord. Et sinon. Je fais mal. Bah sinon, après, c'est les trois pilotes Manor. Ouais. Trois pilotes Manor avec un Stevens très constant, un Méri très lent et un Rossi surprenant. J'aurais pas lu. Je pense qu'on peut pas dire ça, on peut pas vraiment dire ça autrement. Rossi aura été bon, quand même. Rossi, ça prouve qu'il fallait lui laisser une chance. Et par contre, Méri, c'est vrai que de toute façon, le mec, j'ai vu une course de lui, enfin, j'ai vu une de ses courses en 3.5, c'était cette saison, je crois qu'il a fait aussi un peu de 3.5. Il était 16e en 3.5. La gravité en ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire qu'il est pilote de F1. Surtout quand tu vois des mecs comme Nyck de Vries qui s'arrachent à chaque Grand Prix pour essayer, ou Oliver Rowland qui essaye de s'acharner pour y aller. Donc, ouais, bah, pour Méri, pas grand chose à dire. Pour Stevens, comme je dis, c'est constant, c'était correct. Ça m'a fait meilleure impression que son Grand Prix d'Abu Dhabi avec Caterham l'an dernier. Ouais. Et bah, je pense que là, on a à peu près. On a à peu près fait le tour. Ouais, bon, après, on va faire un classement conso qui vite fait bien fait, hein. Mercedes, Ferrari, Williams, Red Bull, Force India, Lotus, Toro Rosso, Sauber, McLaren, Manor, voilà. Et je vais te demander un truc parce que ça, je vais. Ouais, je vais te demander un truc. Non. Le Grand Prix de l'année pour toi. Quel a été le Grand Prix de l'année? Je connais le mien, moi. Et tu dois me justifier Malgré que pourquoi. j'aime beaucoup Spa, Tu dois me je justifier dirais pas pourquoi, tu Spa. vois. J'ai beaucoup aimé Monaco, mais pas au point de le mettre en Grand Prix de l'année. Beaucoup aimé Monza également. Rien n'est que j'ai pas du tout suivi. Non, bah, je vais rester sur la même optique, même si c'est pas passé grand chose. À Singapour, il s'est passé beaucoup de choses, mais sans plus. Mais je vais te dire Mexique. J'ai beaucoup aimé le Grand Prix du Mexique. Alors moi aussi j'ai beaucoup aimé le Grand Prix du Mexique, le Grand Prix de Hongrie également, mais le Grand Prix du Mexique surtout pour l'ambiance. L'ambiance aura été dingue, et puis le fait d'organiser ça, enfin le podium dans le stadium, etc., tout ça, c'était plutôt bien organisé. Et c'est l'ambiance qu'on devrait avoir sur chaque Grand Prix de F1, pour moi. Mais malheureusement, ça va être compliqué d'avoir ça tout le temps. Vu que certains gouvernements font pas particulièrement l'effort. Non, sinon, ouais, c'est vrai que j'aurais bien dit aussi le Grand Prix de Hongrie, notamment sur le fait des nombreux hommages qui ont été faits à Jules Bianchi ce Grand Prix, durant le Grand Prix-là, notamment l'hommage de Vettel à l'arrivée, et aussi par rapport au fait, ouais, donc c'était une victoire Ferrari, et bon, c'est un peu con de dire ça, mais c'est aussi sur le Grand Prix où Hamilton a eu plus de soucis, donc c'est pour ça que je le classerai pas comme Grand Prix de l'année. Aussi, alors ça, la manœuvre que tu auras retenue de l'année. Manœuvre ou accident ou n'importe quoi, enfin quelque chose. La résistance de Jenson à Abu Dhabi. Face à Verstappen. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça tu m'en as. Tu en as, pardon. Ah ça c'est magique. Ah, moi, il y en a eu quelques-uns. Moi, ce que je me souviens, enfin, c'était pas vraiment une action, mais c'était le mec sur la piste à Singapour. Le GP2 Engine Ah ouais. d'Alonso. Et ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas trop mal, ouais. Je me souviens plus de vraiment de trucs non plus. Je me souviens aussi du Max laisse passer Carlos. No! Non. C'est assez fabuleux, hein. On avait passé en live dans le débrief. Ouais. Parce qu'on avait du budget à l'époque. Non, des pauvres. Des pauvres. Ah non, moi je vais te demander, c'est Et attends. tu. Oui.
Je vais juste terminer là-dessus. Ton pilote de l'année. De cœur, Button, mais. Et non, mon pilote de l'année. Ah, Vettel, c'est celui qui a eu la plus grosse progression. Moi aussi, j'avoue que je citerai Vettel, parce que pour moi, Raikkonen n'a pas fait le. A clairement pas fait sa meilleure saison. Et oui. Honnêtement, ouais, je pense aussi Vettel. Même si Hamilton aurait été très fort, Vettel sera revenu également. Très bien. Non, tu es allé me dire quoi? Ouais, je vais te dire, on va refaire un tour des pilotes et on va mettre une note sur 5 étoiles. Ok. Comme ça, ça donnera à tous ceux qui regardent, ça donnera un petit avis sur nos personnalités et ce qu'on aime chez un pilote. Alors, Hamilton, tu mettrais combien sur 5 étoiles? Honnêtement, ça, c'est compliqué parce que tu. Si tu comptes le côté extérieur du pilote, c'est-à-dire sa façon de vivre, Tu comptes le personnage, tu comptes tout. Ouais, si tu comptes en tout le personnage et toute cette histoire, je lui mets 4. Mais si tu, ouais, mets, moi aussi. Si tu le mets sur la piste, je lui mets 5. Si tu me demandes de citer ce qu'il est sur la piste, je lui mets 5, c'est évident. Donc on va dire 4,5. Ouais, ouais, 4 et puis l'étoile manquante par rapport à sa vie plus que branque-ballante. Bah oui, parce qu'en fait, on se dit que, moi, je suis en train de me dire que ce qu'on va retenir d'Hamilton, c'est pas ses titres, c'est son personnage, et ça m'inquiète un petit peu. Et surtout aussi, le fait que ça a pas duré. Ça durera pas s'il continue ce mode de vie. Il pourrait très bien continuer, hein, 5, 6, 7, 8 titres comme vous voulez, mais s'il continue comme ça, clairement, ça va s'arrêter plus vite. Je pense. Ouais. Bon, ensuite. Rosberg. 4 étoiles aussi pour moi. 4 aussi. 4 étoiles, mais là par contre, ouais, j'ai rien à dire sur sa vie en dehors de la piste. Bon, parce que voilà, lui il est marié, il a un gosse, voilà. C'est, j'ai rien à dire là-dessus. Oui, enfin ça au pire, la note de vie privée. Non mais, on l'a mis pas par rapport à. Ouais. Par rapport à Hamilton. Oui. Est-ce que je te compare. Lui, je note pas sa vie, je m'en fous de sa vie. Mmh. Est-ce que je te dis, comparé à Hamilton, lui il a une vie saine. Il est stable. C'est, voilà. Ouais. Voilà, et sur la piste, je pense qu'il est du même niveau qu'Hamilton actuellement, même si Hamilton est un peu plus rapide. Mmh. Sébastien Vettel. 5 étoiles pour moi. Je m'en doutais. Je lui mets 4,5 parce qu'il manque 0,5. Le 0,5 serait le titre. Non, je lui mettrais 4,5 parce que. 4 ou 4,5 parce que ça importe peu, mais sur le fait qu'il n'ait pas gagné plus. C'est juste ça que je vais critiquer, mais sinon non, il aura été excellent et très drôle. Kimi Raikkonen. 3. Moi je vais être un peu plus gentil, je vais mettre 4 quand même. Parce que je trouve qu'il a quand même su faire le taf quand l'autre était pas là. Pour le peu qu'il était pas là. Et que je trouve qu'on lui en a mis un peu trop dans la gueule par rapport à Bottas. Oui, bah il a fait le taf, mais c'est vrai qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs. Hein. Son calage à Monza, son tête à queue au Canada, sa connerie à Austin, enfin, genre de choses, c'est ça que je prends aussi en compte, qui pour moi sont des erreurs, mais après, ouais, je lui mets 3. Ensuite. Bottas, 4. Bottas. J'irai dans le même panier, 3. Massa, entre 4 aussi. Massa, sur le fait qu'il ait réalisé un podium, c'est vrai. Le podium. Lui, par rapport à son âge encore, je suis tenté de dire, je lui mettrais la même note que Bottas, mais je me dis qu'il est quand même en fin de carrière et que c'est quand même encore bien ce qu'il fait. Donc je serais tenté de dire 4. Je vais me mettre 4. Kevat, 3,5. Parce que j'aurais mis 4 s'il aurait été un peu plus constant. Et un peu moins fou. Plus constant, ouais. 3,5. De même. Ricciardo. Ricciardo, pour moi, c'est la plus grosse déception de l'année en ce qui me concerne. Je lui mettrais 3. C'est vrai que j'ai été déçu aussi. J'étais déçu aussi de Ricciardo et
Et c'est vrai que j'espère que ça va s'arranger l'année prochaine. Trois aussi. Perez, alors je l'aime de plus en plus depuis qu'il a quitté McLaren. Mmh. Mais quand même, j'ai encore un peu de mal avec le personnage. Bon, je lui mettrai quand même 3,5. Rien que pour son podium. Et pour ses quelques belles performances. Pour ses résultats et pour ses perfs, et sur le fait que, justement, ce que tu dis, le fait que depuis qu'il a quitté McLaren, il a un peu moins la grosse tête, je mets 4. Nicole Kenberg, alors là, même si on prend la vie extérieure, je compte pas le Mans, hein, dans ce que je vais dire. Mmh. Ok, donc je lui mets 3. Parce que ça a régressé depuis l'an dernier, t'as l'impression que Perez, il a porté l'équipe à lui tout seul. Mmh. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais quand même. Déjà, rien qu'à voir au classement, il y a 20 points entre les deux. Mmh. Alors qu'ils sont l'un en dessous de l'autre, tu vois. Mmh. Et quand tu vois entre Kvyat et Ricciardo, il y a que 3 points entre les deux. Ouais. Voilà, c'est bon, je lui mettrai 3, ce qui m'a quand même un peu déçu cette année. Il a gagné Le Mans avec Porsche, mais 5. Quel bâtard. Non, Hülkenberg, clairement, sur sa saison, 3. 3, ouf. 3, même si j'étais un peu salaud, je mettrais 2,5, parce que c'est vrai que c'est... Ouais, c'est quand même pas terrible au niveau des résultats. Mais bon, je mets 3. Alors, Grosjean, alors, si je compte sa saison, globalité, son podium et tout, je mettrais 3. Mais... Mmh. Il s'est battu, il a la hargne, mmh. Il part chiasse, j'ai confiance en l'équipe. Je mets 4 étoiles encourageantes. De même. 4 étoiles parce que, en fait, il a des résultats de mec auxquels tu mettrais 3 étoiles, mais quand tu vois la situation de l'écurie et tout ça. Ouais, quand tu vois ce qu'il a fait avant. Oui. Enfin, avant, pas la période 2008-2009, mais depuis ouais. qu'il est revenu en 2012. Oui. Enfin, hormis Spa 2012. Ouais. Il a remis le grand prix. Alors, Verstappen. Après, hein. Verstappen, ah. 0,25, allez. Bon, alors, moi, je lui mets 1,5 étoile pour sa bonne foi. Et encore, mais encore non, vu qu'il dit qu'il est la deuxième écurie, ils sont la deuxième écurie derrière Mercedes. Donc, non, en fait, non, il a pas de bonne foi. Non, attends. Pourquoi je lui mets 1,5? Non, Verstappen, non, c'est pas Toro Rosso qui est derrière Mercedes, c'est lui. Ouais, bah allez, vas-y. Alors, putain, le mec, en plus, il débaffe. Il dit pas que c'est Toro Rosso, il dit que c'est lui qui est derrière Mercedes. C'est faux. Faut relativiser. Hein, alors, c'est... bah, moi, je vais te dire, hein, je vais quand même mettre 1,5 étoile. 1 étoile pour son, on va dire, son petit talent de pilotage. Et 0,5 pour ses quelques bonnes perfs dans la saison. Pour l'arrivée et son jeune âge, je mets 1 étoile. Pour ses résultats, j'en mets 2. Pour ses performances, j'en mets 3. Je pourrais en mettre 4 pour son efficacité et son spectacle sur la piste, mais quand tu globalement t'analyses et que moi je me dis que c'est de l'inconscience, je le laisse à 3. Voilà. Ouais. Bah, toi t'es gentil. Hein. Moi je suis pas gentil. Moi je mets 3. Pastor Maldonado. Bon, vu que c'est Alexandre de Fever, on va lui foutre 5 étoiles, hein. C'est... Non, là c'est. Il y a 9 grands prix, 19 grands prix, 9 abandons. Non, puis surtout des trucs, quoi, le mec qui regarde son volant, il regarde plus la piste. Enfin, je sais pas, mais. Ah, il y a des trucs, le mec il tire tout droit pour aller au stand. La merde, putain, allez. Une étoile. Moi, j'en mets 2. Hein, je le mets devant Verstappen. De 0,5. Juste pour la mallette. Tu vois, c'est tout. Oh putain. Maldonado. Parce que lui, au moins, il est tout seul. Enfin, avec son gouvernement, mais il est tout seul. Moi, je te dis, mais chez Renault, faut que Palmer, il se foire l'année prochaine et que ce soit Verstappen et Maldonado qui... Ah, bah, je vais peut-être pisser sur l'équipe complète, alors. Ah, oh, ce serait magique. Ensuite. Felipe Nasser. Nasser. Moi, je lui mets 2,5 étoiles, voire 3 encourageantes. Parce que je pense que c'est un jeune qui a du potentiel, c'est juste qu'il est un peu étourdi de temps en temps. 2,5. C'est juste que toi t'es plus gentil, mais je dis 2,5 encourageantes. C'est moi qui est gentil. Ouais, parce que je trouve moyen. Il met 3 étoiles à Verstappen, c'est moi qui est gentil.
Ouais. Ouais. Et ton ami Katakimi. Ouais. Ouais. Donc, et ensuite? Carlos Sainz Junior. Mmh. Manque de peau au niveau de la mécanique. Je lui mettrai, allez, 3,5 étoiles encourageant pour l'année prochaine. 3 encourageantes. Parce que j'aime bien le pilote. Mais trop encourageant parce que toi t'as le, on va dire, le bonus 0,5 d'affection. Moi je suis pas encore attaché vraiment au personnel. Donc je mets 3. Jenson Button. Button, juste pour le fait qu'il supporte encore le fait d'être chez McLaren et tout, et le personnage, parce que ça reste un personnage. Ouais, j'en mets 3,5. Parce que je peux pas lui en mettre 4, parce que je pourrais lui en mettre 4 pour les perfs, mais non, là je mets 3,5. Bon, pour le pilote, pour le talent, 5,5. pour le pilote, pour le talent, pour le personnage, pour le prestige de l'écurie, pour sa longévité dans l'écurie, pour son titre, pour sa carrière entière, je lui mets 7 étoiles. Non, enfin, dans ma tête, c'est ça, mais, Ouais. alors on va relativiser, vu la stature de l'écurie, vu la stature du pilote, on va dire qu'il se compense moyennement, je lui mets 3 étoiles. Ouais. Avec possibilité de 7 encourageantes. Ouais. Fernando Alonso. Ah, Fernando. Alors, il m'a fait rire. Hein, déjà, Ouais. un coup Brésil, il était très drôle. En même temps, il loupe pour le premier Grand Prix. Bon, ça, il n'y peut rien, mais pour son côté un peu, je m'en fous de l'équipe. Et pour son côté un peu chiant aussi, quand il dit, enfin, son côté un peu chiant, son côté un peu péteux, quand il dit non, mais Ferrari n'a pas du tout évolué depuis que je suis partout. Non, non, non. J'en mets 1,5. T'es fou, moi, là. Ouais. Une et demie. Non, mais une et Tu mets demie. Verstappen à 3 et tu mets Alonso à 1,5. Ouais. C'est un malade, lui. J'en mets une et demie parce que, au mieux à deux, parce que j'ai pas du tout été convaincu par ce qu'il a fait. Ouais. Bon, moi, contrairement à certains, c'est que. Soit. Parce que bah, Alonso, c'est bizarre, hein, c'est qu'il n'y a pas des mecs entre les deux, tu vois. C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Ouais. Bah moi bizarrement c'est que je suis le seul mec entre les deux. C'est-à-dire que. Un petit peu aussi moi parce que enfin j'avoue que je l'ai apprécié à l'époque Renault. J'ai adoré l'époque Renault, mais c'est vrai qu'après l'époque Ferrari où il a commencé à mettre un peu la merde. Enfin quand il a compris qu'il serait pas champion avec Ferrari et aussi depuis qu'il a atterri chez McLaren, c'est vrai que j'ai du mal avec le. J'ai du mal. Enfin, il me fait rire, mais je me dis Bah, en qu'il a pas fait, vraiment sa moi, place. j'aime pas le mec. Mmh. Et que tu vois, enfin, j'aime pas le, c'est pas que j'aime pas le voir, mais j'aime pas sa mentalité, j'aime pas son pays, j'aime pas sa langue, j'aime rien. D'accord, bon bah ça c'était gratuit hein, parce que bon voilà. C'est, Dixit, je dis ça, hein, mais Dixit, le mec qui, deux cases au-dessus, idolâtre Sainz Junior, mais c'est pas grave. Mais bon, c'est, non, enfin, c'est, je sais pas, ce mec-là ne va pas avec ma personnalité à moi. Voilà. Chez McLaren, t'as la thèse et l'antithèse pour moi. J'aime bien cette expression, hein. Je sais pas si tu l'as remarqué. Faut mieux que la peste et le choléra. Ouais, et la showpiece. La peste et le choléra, c'est la même chose. Donc, oui, ensuite. Donc, mais par contre, j'aime bien ce qu'il propose sur la piste. Après, c'est vrai, son côté je m'en foutiste, voilà, hein. Et il y a un autre côté que j'aime pas. Après, c'est comme pareil, on a fait ça pour Rosberg, on a fait ça. Enfin, comme je te dis, on englobe tout, même la vie privée. Enfin la vie Oh là là, autour de oh la là là, F1 et tout, oh là là, oui. c'est que je sais pas comment il fait. Je pense qu'à chaque Grand Prix, il a une gonzesse différente. Mais. Ouais, son Enfin, côté peut-être pas à chaque Grand Prix, mais son je suis côté sûr, co dans cette saison, il y en a eu au moins deux. son côté coureur de jupons, bon, ça on s'en fout. Ouais, d'accord, mais bon. Tu vois, c'est pas aussi poussé qu'Hamilton. Mais bon. Pour ça, je lui mets 2,5 étoiles. Ok. C'est une étoile au-dessus de Verstappen, c'est bien. C'est une étoile au-dessus de moi. Ouais. Marcus Ericsson. Une étoile encourageante. Alors. Je peux pas, je suis désolé, hein, mais qui Moi, je vais le plus? mettre à 2 étoiles. Oui. C'est une étoile au-dessus. C'est au même stade que Maldonado. Et pour la même raison.
c'est que le mec, sans lui, il n'y a plus d'équipe. Oui. Et bon, après, j'aurais pu mettre Maldonado à 3, à 2,5, au-dessus d'Eriksson. Parce que Eriksson, hormis sa gueule à toute épreuve sur la photo de présentation. Exactement. Vous regardez, vous avez un sosie de DJ Snake, hein, clairement. Et hormis sa mallette, il n'y a pas grand-chose. Même sur la piste. Oui. Et donc, j'aurais pu mettre une étoile, ou une étoile et demie en plus à Maldonado, parce que lui, en plus d'avoir une gueule à toute épreuve partout, d'apporter le billet, il fait partie du collège intime des mêmes internets de Formule 1. Et des vainqueurs de Grand Prix. Oui, ça passe au second plan. Des poleman, meilleur tour, vainqueur, le même week-end. Un seul week-end. Mais bon. Bon, rien que pour ça. Oui. Alors ensuite, bah, il reste les trois pilotes Manor. Manor, alors, Mary, une étoile. Stevens, 2,5. Et Rossi, 3. 3 encourageantes. Alors, Mary, je lui mettrai 2 étoiles. C'est 1,5 au-dessus de Verstappen. Parce qu'il n'aura pas ouvert sa gueule. Après l'échelle de Richter. Verstappen. Après l'échelle de Richter, l'échelle de Verstappen. Voilà, c'est ça. Will Stevens, contrairement à toi, moi j'étais confiant par rapport à Caterham. Donc je lui mettrai 2,5 étoiles. Parce que je. Voilà. Par contre, lui, c'est pareil qu'Alonso, tu vois. J'aime pas son côté en dehors de la monoplace. Ouais. Là, c'est le mec quand il sort, il vire sa combi, il met sa casquette à l'envers, il s'assit sur le truc, hop, il parle, et c'est bon. Bah tu vois, je sais pas, c'est. Et puis ouais, Alexander Rossi, ouais, il m'a impressionné, donc ouais, je lui mettrai 3 étoiles encourageantes. Donc voilà. Bon. On a fait le tour. Ouais, on a enfin fait le tour. Ça fut long. Ouais. D'ailleurs, j'y pense, je suis pas sûr qu'on en ait parlé. Si, on en a parlé du pourquoi, du comment, on n'a pas fait le débrief Homestead. Non. Ah. Le débrief NASCAR, effectivement. Je pensais qu'on en avait parlé dans le dernier débrief, mais pardon, non. Ou bien c'est moi qui en ai parlé tout seul dans le débrief Abu Dhabi. Possible. Bon bref, si je l'ai pas dit, je le répète, puisqu'on l'a pas fait parce que intempéré sur la course, décalé de 1 heure au niveau du départ, donc décalé également de 1 heure au niveau de l'arrivée, donc l'arrivée qui se faisait autour d'une heure et demie du matin. Avec moi, enfin toi qui avais cours le lendemain, puis moi qui avais stage le lendemain, c'était pas possible de suivre jusqu'à la fin, donc au lieu de bâcler, surtout en NASCAR faut pas louper une miette, et parce que avec les drapeaux jaunes et tout ce qui se passe, on a préféré pas le faire, et puis basta. N'empêche qu'on est heureux. Enfin, je suis heureux. Ouais. Donc maintenant, bah, on se retrouvera pour le débriefing déjà du Monte Carlo. S'il y a un débriefing Monte Carlo. S'il y a un débriefing Monte Carlo, et après, donc, il y aura également le RC, etc. Mais ça, on sait pas, parce qu'on prévoit des choses, enfin, il prévoit des choses. Ouais, j'ai deux, trois petits trucs. Non, je vais pas en parler tout de suite, je ferai une vidéo annonce sûrement avec toi, entre Nouvel An et Noël. Ok. Il y aura sûrement une vidéo annonce avec toi qui durera une petite dizaine de minutes pour annoncer tout ça. Une petite dizaine d'heures. Vu que je suis là, ça dure une petite dizaine d'heures. Ouais, voilà. Donc, bah, de toute façon, ouais, on fera une vidéo, comme je t'ai dit, après Noël. Oui. Ouais, donc, il n'y aura pas plus de vidéos commentées avant Noël. Donc, bah, c'est l'occasion de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, hein, joyeux Noël. Ouais. Et sur ce, on vous laisse. Bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, et certainement. Ouais, s'il y aura une vidéo entre Noël et le Nouvel An, on souhaitera bonne année à ce moment-là. Ouais, voilà. Puis, de toute façon, il y aura des trucs derrière. Et... Bah, en tout cas, c'est la dernière commentée avant Noël, donc, joyeux Noël à tout le monde. Voilà. Oh, 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 bitches. Ah là là. Bon. Et que le bon samaritain de la Formule 1 nous fasse une saison, une bonne saison pour l'année prochaine. Oui. On croise les doigts. Sur ce, on vous laisse. Et bah, à l'année prochaine. Salut. Salut.